Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Nous allons partir en PVP avec la Team Fusion. C'est vous, hier, lors de mon live YouTube, eh bien, vous m'aviez dit que vous auriez envie de me voir jouer la Team Fusion. Eh bien, ça va être chose faite dans cette vidéo. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, je suis plutôt assez excité de jouer cette Team Fusion. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué quand même la Team Fusion. Voilà, avec le VB, le Gogetada, le nouveau VB également des 3 ans de type violet avec le Gogeta Zenkai, le Gogeta également Transfo DBS et le Gogetada Legendary Finish You de type jaune, que j'ai 7 étoiles quand même, hein. Donc voilà, on va prendre cette team, on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis bah on espère que ça va casser de la bouche. En tout cas voilà, je tiens tout de même à le repréciser, essayez de jouer avec des persos que vous appréciez. Bien évidemment, il faut quand même avoir une box assez conséquente, quand t'es free to play, etc. Je peux comprendre que c'est très très compliqué, mais même quand t'es free to play, eh bien du coup, invoque sur les persos qui te font kiffer, en espérant que tu aies de la chance et non pas du shaft. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais voilà, là ça me dit bien, là, tu vois, je sais pas ce que ça va donner, les combats, on verra bien, mais là ça me dit bien, voilà, d'aller me friter en PVP avec cette team-là. Max de pouces bleus comme d'habitude. Je tiens juste à rappeler également que ce week-end, je suis de mariage. Là, la vidéo, elle est sortie le vendredi. Sache que je suis déjà sur la route pour le mariage du frérot Yekase. Donc aujourd'hui, vidéo PVP, demain, il y aura le duel invocation contre Luck Divine pour le Gohan SSJ2 LF des 3 ans, en espérant que je le chope et qu'elle aussi le chope. Et dimanche, Random Brush contre Ludivine. Je sais que ça fait longtemps que vous l'attendiez, donc voilà le programme de vendredi, samedi et dimanche. Il n'y aura pas de live, malheureusement. Hein, voilà, je suis de mariage, bien évidemment. Le mariage du frérot, eh bien, ça a son importance. Bref, let's go, max de pouces bleus, et on est parti pour du PVP. Yeah ! Ah bah, pour cette première game, on va tomber sur de la Team Fusion également. Alors, je vais partir comme ça. Le troisième, je vais mettre qui, là ? Ah, il a une bonne team, hein. Franchement, il a quasiment la même team que moi. Voilà, je vais prendre ça. Il a quasiment la même team que moi, sauf qu'il a mis le Gotenks pour la Cap Z HP, voilà, pour les points de vie. Et moi, j'avais le Gogeta Zenkai que je n'ai pas pris d'ailleurs. Du coup, ok, d'accord. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Les gars, pour la première game, let's go. Allez, on se concentre. Ça tackle des deux côtés. Ok. J'ai pas été bon dans le timing. J'ai pas pu esquiver. Qu'est-ce que ça me saoule quand je peux pas esquiver. Franchement. Ok. La verte va détruire les cartes. Voilà, il me détruit les cartes. Donc comme ça, pour les Dragon Ball Rising Rush, je suis un peu embêté. Je ne stun pas. J'aurais bien voulu stun là-dessus. Ok, c'est bon, ça touche. Allez. Ça lag un peu. Hein. Franchement, ça lag un peu. Encore ça va, c'est jouable, mais ça lag un petit peu. Allez, la cover, il est déjà revenu le Gogeta. Il passe à travers les blasts, c'est vrai. Ah, il va me redétruire encore les cartes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Pas mal la petite tempo là. Il a mis une belle tempo, il joue bien en face. Franchement, il joue bien en face. Il fait des choses très sympathiques. Ok. Bon. On va la gagner. On va la gagner. Bon, il va pas tarder à Rising Rush, je pense. Voilà, là on a fait une belle tempo. Allez. Voilà. Je me pose pas de questions. J'ai hésité. J'ai hésité franchement à Rising Rush, voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de me contrer pour la première game, ça serait dommage vu qu'on a l'habitude de se faire contrer tout le temps, même en live on se fait contrer. C'est bon, ça passe. Heureusement. Allez, let's go. Bon, pour l'instant, on est pas mal. On a fait le Rising Rush, après attention, il a encore son Rising Rush lui aussi. Ok. Voilà. Ok, ça passe. Ok.
Il a la cover VB, donc je vais mettre l'ultime maintenant. Voilà, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que sinon il y aurait eu la cover Blast de Vegito Blue. Et du coup, il m'aurait contré. Mais ça tuera pas. Ça tuera pas. Du coup, en plus, il se soigne. Alors, par contre, là, j'aurais peut-être pas dû faire Blast comme ça. Ok. Là, je risque de manger. Là, je vais ramasser. Ah ouais, quand même. C'est violent. Ah, ça a été violent, là. Et en fait, il y a son Rising Rush qui me fait peur. Et là, il va déclencher Rising Rush, mais bon, tant pis, hein. Je vais pas avoir le choix. À moins que... Ah, si, si. Ok, est-ce qu'on peut le contrer? Allez, la petite spé, monsieur. Non. Ok, bon, du coup, je le contre pas. C'est très, très serré, mais on va le gagner. Allez. Ok, let's go. Ok, bim. Donc, normalement, ça tue. On se pose pas de questions. Voilà, bim. Ok, let's go. Ok, la verte. Voilà. On l'a fait esquive. Donc, maintenant, là, il a plus d'esquive. Et quand il a plus d'esquive... Voilà, tu peux le finir tranquillement. Let's go. Voilà, j'ai pas voulu faire strike parce que s'il faisait strike avec moi et qu'il gagnait le clash, du coup j'étais mort. Donc voilà, j'ai préféré voilà attendre qu'il fasse un petit move là, c'est ce qu'il a fait. J'ai pu esquiver tranquille et je l'ai terminé. Elle était très compliquée cette game, du coup fusion contre fusion. Bref, première game gagnée, avec un petit peu de mal, certes, on passe à la game suivante. Ok, Team Regen pour cette deuxième game. Je pense qu'il va prendre les trois premiers persos. Donc je vais faire comme ça, je vais partir en double bleu. Je ne pense pas qu'il prenne la C21 verte. Je pense pas. Et du coup, ça sera bon pour moi s'il prend le sel transfo. Allez. Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Donc du coup, je suis pas trop mal normalement. Deux bleus pour le sel transfo, c'est vraiment très bon. Allez, let's go. Ok. Ok, on entame très bien le début de la game. C'est pas mal ça. Voilà. Juste histoire de monter en Dragon Ball. Hein. Parce que voilà, tu montes en Dragon Ball hein, quand c'est comme ça. Pour le Rising Rush, c'est vraiment très bien. Ok. Voilà. Je me transfo direct. Ok. Faut faire attention au Kid Buu parce que... Ah, il cogne. Hein. Regardez, il cogne le Kid Buu. Hein. Ok. Voilà. Comme ça, le Gogeta, il tank. Parce que là, le Kid Buu... Let's go. Par contre, là, maintenant, tu vas chialer un peu. Alors, le problème, c'est que je peux pas Rising Rush comme ça, parce qu'il y a le sel. Et le sel... Mets-le, ça serait bien. Oh, normalement, ça one-shot. Normalement, ça le one-shot. On va voir... Parce que du coup, comme le sait, il y a deux barres de vie qui revient à la vie, je peux pas Rising Rush. Donc du coup... Oh purée, ça le one-shot pas. Purée, il lui reste presque rien. Oh là là, le seum. Allez, on le tue. Voilà, let's go. Allez, c'est parti. Du coup, maintenant, on peut Rising Rush et tout, dès qu'il y a besoin. Là, c'est pas mal. Parfait, ça. Allez. Voilà. Ça peut tuer, hein. 652 000. Ah, il a switch. Je pense qu'il va en manquer. Ah ouais, il lui reste 300K. Ok, 300. Puis là, il a remonté un peu. J'aurais dû tapatac là-dessus. Je suis un teubé. Donc là, on va faire attention au Piccolo parce qu'il commence à se vénère. Voilà. Ok. Il a réesquive. La cover de Gogetada. Allez, là, bim, l'aspect, ça fout le camp. On a encore une deuxième spé. Direct. Allez. Voilà.
J'ai pas pu esquiver, putain, mais c'est fou ça. La cover, dommage que j'ai pas de spé là dans la main, parce que là j'aurais pu finir. Et je peux pas esquiver. Ah purée. Purée, le kick-bou, hein, le kick-bou. Faut faire attention, je contre ou pas? Non, je contre pas. Ok. Moi, bon, de toute façon, je sais même pas pourquoi je demande de contrer. Je ne contre jamais, quasiment. C'est eux qui me contrent souvent, mais moi, voilà. Ok, donc là, il a fait le main. Moi aussi, comme ça, je récupère des points de vie. Voilà. Voilà. Let's go. Voilà. Bon, vas-y, je rising rush. Je vois l'ultime... Tant pis, c'est pas grave. Je vois l'ultime, elle est pas descendue pour que je termine le kit bout. Donc, je rising rush, direct. Je me pose pas de questions. Voilà. On va pas prendre de risques. Allez, let's go. Pah. Poum. On s'en tire plutôt bien pour cette deuxième game également. Allez. Ok. Bon, là, normalement, là, c'est fini. Hein. Là, en plus, il a esquive et tout. Il a un contre-type. Non. Non, monsieur. Vous êtes un contre-type, cher monsieur. Voilà. C'est la cuisine pour vous. Faut prendre la poêle, la casserole, le cassoulet, tout ce qui va avec. C'est la cuisine, monsieur. Voilà. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Il avait quand même une belle team en face, Regen, avec le sel transfo, etc. J'ai bien fait de partir en double bleu. Parce que, bah voilà, pour moi, ça vaut aucun sens à ce qu'ils prennent la C21 de type vert. Et du coup, ça a payé. Ok, team divin avec le Goku Blue en face, Zenkai, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, alors, on va prendre VB, Gogeta, voilà. On va prendre VB, Gogeta 4 et le Gogeta Zenkai. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner face à cet adversaire. Bon, je pense qu'il va prendre Zamasu. Je pense également qu'il va prendre le Black Goku. Voilà, et puis bon, bah, le Goku... Ah non, il a pas pris le Goku Blue Zenkai, il a pris le Mirai Gohan. Ok, alors faut faire attention parce que Mirai Gohan, du coup, il a la survie au chaos. En fait, c'est ça maintenant, aujourd'hui, qui me frustre sur le jeu DBL. C'est qu'il faut faire attention aux persos qui ont la survie au chaos. Pour le Rising Rush et tout, tu peux plus le lancer comme ça à l'arrache. Allez, let's go. Ok. Ok. C'est pas bon, ça, ce que j'ai fait. Let's go, la cover. Oh, tu vois. La verte de Gatai, elle est... Oh là là, et puis il me fait l'aspect, ok. Ok, là c'est bon. Voilà. Là, ça va arracher. Ok. J'aurais pas dû faire le pas sur côté, ben ouais. Bon, ça va. Ça va, je me rattrape là-dessus. Oh là là, il a encore une verte. Vas-y, mais maintenant, c'est mort. Purée, je voulais VB, mais il m'avait lock, je pouvais pas mettre la cover de VB sur les blasts. Ok. Donc là, faut faire attention à son Black Goku transfo. Parce que là il arrache. Sinon. Ok, c'est parfait. Ok. Ok. Et je peux pas mettre le Rising Rush, hein, parce qu'il y a le Mirai Gohan, et du coup il me le met, et après je suis mal. Voilà, là j'ai bien fait, parce que sinon il y avait la Cover Blast de Mirai Gohan, mais du coup je m'en suis bien tiré. Et je pouvais pas Rising Rush, parce que sinon Mirai Gohan, voilà, sur Vokao, par contre là maintenant il est mort. Voilà. C'est ça qui est intéressant avec le Gogeta 4, et son attaque ultime. Par contre là... Je sais pas s'il va mettre le Gatai ou pas. Allez. Ok, c'est bon. Bon, ouais, voilà, il est parti aux fraises, il a abandonné. Moi, je n'étais pas serein parce que je me suis dit, est-ce que je continue ou pas, strike ou pas, parce qu'il y a la cover de Gatai. Mais il n'osait pas mettre son Gatai. Souvent, les gens veulent garder Gatai en dernier recours à la fin, parce que c'est vrai qu'à la fin, il peut faire la game. Hein, il peut faire facile, défoncer tous les persos en face de lui, Gatai. Mais bon, ça va, c'est passé encore pour la troisième game. Allez, on enchaîne. Ok, team Métis en face. Alors ça, je connais. Hein. Je sais qu'il va partir avec les trois premiers, là. Les trois Gohan, clairement. Il prendra pas le kit Trunks. Ça m'étonnerait.
On connaît ce genre de team, on en bouffe en PvP, donc là je vais partir en double bleu. Je pense que ça devrait le faire, je pense pas qu'il va mettre le kit de Trunks. Normalement il le met pas, et il l'a pas mis. Donc là par contre, là ça va chier les bulles carrées. Là je vous le dis, voilà, ça c'est la team type qu'on retrouve en PvP, clairement. Le Gohan Zenkai, le Mirai Gohan et le Gohan élève des 3 ans. Il y a deux survies au KO dans la team. Enfin, il y a le revive, il y a la survie au KO du Mirai Gohan. Allez, let's go. Ok. Voilà. Mange un petit peu là. Mange la soupe. Mange le blédina là. Voilà. Poum. Stun. Il a pas stun, dommage. Dommage. Allez. Voilà. Par contre là j'ai plus de cartes, on va recharger le ki. Ok. Ok, on va faire attention. Parce que dès que le Gohan il commence à toucher, il fait mal. Yes. Voilà, il a tackle, je strike direct. Je me pose pas de questions. Ok. Ça c'est pas mal. Du coup. Ok. Voilà, parfait. Voilà. Voilà, ça c'est parfait aussi, ça, monsieur. Ça c'est parfait. Ok. Allez, on se concentre. Let's go, monsieur. Voilà, déjà. Voilà. Déjà, les deux survies au KO, elles sont aux fraises. Voilà. Je peux pas Rising Rush tant que les persos ont encore leur survie au KO. Là, maintenant, on est plus à l'aise. Là, on va être plus à l'aise. Voilà. On connaît la feinte. Bim. Tu te la manges. Allez. Bon, avec la chance que j'ai, il va contrer. On connaît. Bien évidemment, il contre. Voilà. Franchement, je... Il n'y a plus rien qui ne m'étonne, moi, maintenant. Allez. Alors, attention, parce que Gohan, là... Ok. Ah, il encaisse, là. Et ouais, forcément, il a fait le main, alors... Alors, c'est chaud. Ok. Ok. Vas-y, on va devoir faire ça. Hein. Ah bah, je veux bien, moi. Il a mis le Mirai. Il aurait peut-être pas dû... Il aurait peut-être pas dû, le monsieur, là. Ok. Ok. Bon. Voilà, là, ça arrache. Hein. Là, ça arrache. Voilà, ça arrache, frère. Ouh, j'avoue que le Gohan, il arrache quand même. Hein. Quand il est tout seul, là... Non. Ah, mais je voulais esquiver, là. Mais la vérité, je voulais esquiver. Je le contre ou pas? Ok. Il m'a contré, je l'ai contré. Un partout, monsieur. Allez, on va pouvoir LF. Ça lag. Pourquoi ça lag? Mais pourquoi? Normalement, je voulais le VB. Ah, mais là, c'est plus lui, là. Là, c'est devenu un bot, je crois. C'est bon, ça va, LF. C'est quand même un truc de fou, hein. Franchement, vous voyez, t'essayes de faire les choses propres, les choses top, tu vois. Faire un beau LF, etc. Ça se met à laguer. Et du coup, tu demandes au VB de venir pour mettre une strike, après activer ton main tranquillement, faire le LF. Et ça se met à laguer parce que le mec décide soit de quitter, soit de faire freeze le jeu, ou voilà. Bon, bref, Legendary Finish pour cette vidéo. J'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Legendary Finish avec la Team Fusion. On n'a pas perdu, on a fait 4 games là déjà. Ça s'est passé plutôt bien. On reprend encore 123 points. On en est où là d'ailleurs dans le classement là? Du coup, on va pouvoir regarder ça. Ok, 5500. C'est bien. C'est bien, franchement, voilà, la saison vient juste de recommencer. On est déjà dans le rang 46. Classé quasiment top 5K, on a fait quand même des dégâts avec la Team Fusion, et c'est vrai que bah, j'ai du plaisir à jouer cette fameuse team, hein. La vérité, franchement, t'as du plaisir à jouer cette team-là. Après, c'est
pas non plus ce que je préfère. Moi, vous le savez très bien, la Team GT, pour moi, voilà, le Goku 4, le Vegeta 4, c'est incroyable. Mais ça fait quand même kiffer de jouer cette team. Et c'est le plaisir le plus important dans un jeu vidéo, pardon. Max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. N'oubliez pas que ce week-end, je le rappelle, je suis au mariage du frérot Yekaïs. Donc, je ne serai pas en live. En revanche, je vous ai préparé des vidéos. Donc, cette vidéo pour aujourd'hui. Demain, duel invocation contre Luck Divine pour le Gohan SSJ 2 LF. Et dimanche, Random Rush contre Ludivine. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Yeah!